pour collecter l'information. Collecter l'information, acquérir, l'analyser et la transformer en connaissance qui sera diffusée aux bons acteurs sans oublier de la sécuriser. Tout est pratiquement dit. Donc, collecte de l'information, analyse de l'information, traitement de l'information et en plus la transformer. L'information de nos jours, je pense que nous le savons tous, n'est plus statique. L'information est dynamique, l'information est devenue une matière première, si j'ose dire. C'est une ressource, le marché est une ressource. Donc, question pour, et nous savons qu'aujourd'hui, avec le développement, et c'est pour répondre aussi à cette question de combien ça va coûter, avec le développement des NTIC, mettre en place une démarche d'intelligence économique peut coûter zéro dinar, nous le savons, avec des outils de veille gratuits pratiquement. Comme cela peut coûter effectivement des milliers ou des centaines de milliers de dinars selon éventuellement l'application de certains logiciels comme Tabacrow, Digimine, etc. Et selon évidemment aussi la taille et les besoins de l'entreprise. Donc en effet, il existe plusieurs outils de veille gratuits et se pose à ce niveau le problème de la mobilisation des ressources humaines et de disposer des compétences nécessaires pour l'effort d'analyse et de traitement. Ne pas perdre de vue aussi. L'intelligence économique a trop tendance, notamment la DEL, a trop tendance à concevoir le fait que la DEL n'est pas cadrée. La DEL fait référence à une norme, qui s'appelle la norme AFNOR XPX50053, qui définit les étapes de mise en place d'un système de DEL en entreprise. Et donc, la DEL est cadrée et la DEL est un processus bien établi avec des indicateurs et une évaluation bien précise. Donc, quid, je reviens à ma question première, quid du rôle du pouvoir public aujourd'hui. Et pour cela, je pense qu'il y a matière à réfléchir sur la sensibilisation à la démarche d'intelligence économique des chefs d'entreprise et des organismes publics affiliés. Qu'en est-il aujourd'hui en Tunisie de la mise en œuvre de cette sensibilisation au pouvoir public? Est-ce que aujourd'hui le pouvoir public sont en train de mettre en place des orientations, des axes qui permettraient de sensibiliser le monde de l'entreprise. Comment faire pour optimiser les flux d'informations entre les divers organismes stratégiques pour la compétitivité des PME en entreprise? Donc je vous invite, et j'ouvre le débat à ce moment-là, d'essayer de répondre à certaines questions et de parfois avoir un peu d'état des lieux de l'intelligence économique en Tunisie, tant au niveau de la sphère publique que de la sphère privée. Et avec cela, je vous remercie et j'ouvre ce débat à qui voudrait avoir une réaction à chaud. Merci. Centre technique de l'emballage et du conditionnement. Comme vous venez de le présenter, donc, la base essentielle de l'intelligence économique est l'information. Et l'information, c'est la fiabilité de l'information, c'est l'information à temps, c'est la bonne information, c'est-à-dire en matière contenu, en matière présentation, en matière disons, regroupement et tout ce qui s'ensuit. Et le système d'information à l'échelle nationale, à mon sens, est défaillant, progression du peuple. On n'a pas vraiment un système fiable qui travaille en corrélation, qui travaille en coordination avec des regroupements assez scientifiques qui permettent d'avoir vraiment des informations harmonieuses et qui reflètent une réalité assez objective. Donc pour cela, je pense qu'il y a un grand effort à fournir de la part de toutes les institutions, une réglementation à mettre en place, parce que afin de garantir un système, à mon sens, qui sera fiable, qui répondra à ses attentes, à ses orientations, il faut qu'il y ait une réglementation derrière. Bien faire les choses. Je vais partir d'un constat empirique qui provient du terrain.
et pour lesquelles la plupart des dirigeants se posent la question suivante. Comment surveiller l'environnement et en anticiper, et anticiper son évolution? C'est cette vision, c'est cette dimension visionnaire que les dirigeants cherchent, par opposition à la dimension myopie managériale, parce que certains dirigeants sont myopes, absorbés par le court terme, parce qu'ils font tous les jours, et certains dirigeants sont même aveugles. Donc, ils ne voient pas au-delà du brouillard qui se dessine, et donc, ils ont du mal à gérer le long et le moyen terme. Donc, l'intelligence économique, c'est vrai que les dirigeants, comme a dit, comme ça a été dit auparavant, les dirigeants d'entreprise disposent d'une quantité énorme d'informations, mais la manière de la traiter, la manière de la partager et de maîtriser les renseignements produits par l'intelligence économique reste encore à... C'est-à-dire que les dirigeants d'entreprise ont du mal justement à utiliser cet outil qui est le renseignement produit par l'intelligence économique pour asseoir la prise de décision. C'est quoi l'intelligence économique pour être simple? C'est un système d'information et d'aide à la décision. Pas n'importe quelle décision, ce sont les décisions stratégiques. Ce sont les décisions qui engagent l'entreprise à long terme et qui ont des conséquences sur sa pérennité. Un système d'information, c'est un système qui récolte des données, qu'elles soient qualitatives, quantitatives, formelles, informelles, etc., qui les traite en vue de produire un renseignement. Si le renseignement, justement, est bien utilisé, on parle d'intelligence de l'entreprise. Et de là provient, justement, le concept d'intelligence économique. C'est comment utiliser le renseignement pour prendre de bonnes décisions. C'est des décisions qui utilisent des informations aujourd'hui anticipatives pour engager l'entreprise à long terme. Alors, je vais justement revenir à des expériences et à un retour d'expérience qu'on a pu percevoir sur les entreprises suite à des interventions, justement, c'est que le dirigeant d'entreprise est face à un problème qui est le suivant. Il a deux manières d'aborder les choses. Il est parfois face à un problème ou à une crise. Suite à cela, il va déclencher une recherche d'informations pour répondre à ce problème. Donc, la collecte d'informations, elle est liée au problème. On parle de recherche active d'informations. Ce n'est pas l'intelligence économique. Le deuxième cas de figure, c'est quand on n'a pas de problème a priori. On n'est pas en situation de crise et on amorce un dispositif d'intelligence économique qui puisse, il est activé d'une manière continue, qui puisse produire des renseignements utiles à la prise de décision sans que le dirigeant n'est exprimé un besoin par rapport à un problème ou par rapport à une surprise stratégique ou par rapport à un état de crise. Et c'est à ce moment-là que l'intelligence économique intervient. Il faudrait qu'il y ait un processus de recherche continue qui puisse aider le chef d'entreprise ou le dirigeant à prendre des décisions. Et on a exclu la Tunisie pour des raisons que vous avez très bien évoquées. Je voudrais revenir sur deux points. La première chose, ce qu'a dit monsieur le directeur de HEC, qui est très important, et aujourd'hui, je pense que c'est déjà un très bon signal pour la Tunisie. Une chose, c'est qu'on ne peut pas dissocier la responsabilité de l'État, parce que dire que les entreprises, c'est vrai, elles sont responsables, le tissu économique est pratiquement, majoritairement, c'est grâce aux entreprises privées. Cependant, les entreprises privées tunisiennes, qu'on le veuille ou pas, les chefs d'entreprise sont déjà formés. Ils ne vont pas changer, surtout ceux qui ont réussi. Leur méthode a déjà porté leurs fruits dans la Tunisie. Donc apporter quelque chose d'externe qu'ils ne connaissent pas du tout va être rejeté naturellement. Alors que si il y a des éléments qui sont formés directement par l'université tunisienne, qui vont s'intégrer dans les entreprises tunisiennes,
Là, les chefs d'entreprise vont le voir automatiquement, naturellement, sans qu'il y ait un coût supplémentaire. Et là, c'est la seule manière de les sensibiliser efficacement et sur le long terme. Et que l'on veuille ou pas, c'est l'État qui conditionne le marché. C'est l'État qui conditionne où est-ce qu'on va aller, ou comment on va s'exporter. Si l'État ne donne pas le feu vert, c'est-à-dire dans la manière où ça n'adapte pas une politique elle-même d'intelligence stratégique, parce que l'État, qu'on le veuille ou pas, comment elle fait une concurrence aux pays voisins? Comment elle s'exporte, comment elle ne s'exporte pas? Pourquoi le Maroc s'est réussi? Parce qu'il y a une cellule d'intelligence stratégique au sein du Premier ministère, au sein du... Pardon, ça c'est en Algérie. Au Maroc, c'est au sein du cabinet royal. C'est le roi qui a donné le premier ton. Donc les gens suivent le leader, qu'on le veuille ou pas. L'État est le leader. Le chef de l'État, c'est le leadership. Si lui ne se dote pas de ses atouts, les chefs d'entreprise vont dire non. Et en plus, si l'État ne démocratise pas cet aspect-là, ça va rester un produit élitiste. Parce que ça va y avoir un coût très très cher. Et ça, on tombe dans le cas de la France, qui n'est pas bon. Majoritairement, M. Phil va confirmer, majoritairement, c'est les entreprises du CAC 40 qui ont tendance à pratiquer ces outils-là, qui utilisent l'intelligence économique, l'intelligence stratégique. Parce que ça coûte cher. Parce que la Tunisie, il y a un problème, et ça c'est le régime précédent, c'est qu'il n'y a pas de transparence. Et que l'information est égale espionnage. Qu'on le veuille ou pas, il faut le mentionner. Et les cabinets d'intelligence économique, les gens ont peur. C'est, ah, vous voulez prendre des informations de chez moi, alors que vous êtes externe. On a encore cette phobie. Et tout ça, ça ne va pas se faire du jour au lendemain. Il y a toute une éducation. Et ça, je pense vraiment que ça se passe vraiment par l'État. Parce que sinon, tout ce qui va se passer, c'est qu'il y aura juste une élite, des entreprises qui ont la possibilité, qui ont les ressources de dépenser de l'argent. Et les PME, et la Tunisie en soi, on est plus un modèle allemand où il y a un grand tissu de PME, ces gens-là n'auront pas accès à ça. Et là, c'est un manque à gagner énorme. Et on va avoir vraiment un écart qui va se creuser. Alors que les États-Unis, comme vous le savez, M. Phil, c'est toutes les entreprises ont accès à ça. Non, juste, je rebondis sur ce que vous dites, que je trouve très pertinent d'ailleurs et que je partage. Et d'ailleurs, si l'on se remémore les grands chantiers qui ont été institués en Tunisie, dans le cadre du développement des entreprises, la mise à niveau industrielle, par exemple, qui a été un des grands chantiers de l'État, la mise à niveau industrielle n'aurait pas pu avoir lieu si l'État n'avait pas pris pratiquement. Et je ne pense pas que les entreprises, au-delà de leur volontarisme intrinsèque, auraient pu, de façon volontaire, volontariste, s'inscrire dans une ligne d'initiative industrielle si l'État n'était pas prêt. On ne veut pas aujourd'hui, l'État devrait souscrire à une politique publique d'intelligence économique et effectivement mettre en place, parce qu'il ne faut pas perdre de vue, c'est quand même que l'intelligence économique fait référence à la stratégie nationale de développement économique. Et qui dit stratégie nationale de développement économique, ceci va se décliner dans des stratégies aujourd'hui régionales. Nous avons un problème de développement au niveau des régions. Donc il y a une déclinaison qui va se faire de la stratégie nationale à la stratégie régionale. Et ces stratégies ne peuvent se mettre en œuvre qu'à partir de dispositifs d'intelligence économique dans lesquels l'État serait le premier participant. Merci. Alors, c'est ça, Voilà, j'ai trois points on va essayer de discuter. C'est premièrement, Smart, le CJD, ancien président du CJD. Premier point, lorsque Smart CJD est le final de Moltaka Hedef, finalement, après une année et demie, وحنا هاو تأسيسي هاو ترويكا هاو هز هاو طلع هاو هابط قلت ما خلنا نقدم شوية في البلاد هذي عمل وحنا بتويل سيس اللي تي ويسان دو لانتيليجونس ايكونوميك سي لور غاني بان ils sont obligés d'en parler mais il y a quelques années en tant que président du CJD j'ai dit moi je parle pas de gouvernance économique comment parler de gouvernance économique lorsque le chef d'entreprise on lui demande d'être transparent et de développer cette gouvernance alors que celui qui gouverne le pays est complètement opaque. Est-ce que c'est normal qu'une entreprise se laisse faire, se laisse ouverte
alors que ceux qui sont autour sont complètement opaques, ça n'a aucun sens. Aujourd'hui, on veut parler, bien sûr, on veut parler d'intelligence économique, alors que si on prend le tissu industriel tunisien qui est en train de reculer à vitesse supérieure, il y a les grosses boîtes, les grosses entreprises qui se sont développées sous Ben Ali. Ils se sont développés sans concurrence. On sait très bien si on nomme quelques entreprises, et d'ailleurs, je suis venu entendre aussi parler de Caprici, parce que c'est bien d'être dans la théorie, mais de Caprici. Aujourd'hui, des mastodontes comme Pauline, et qui veut racheter demain Naples, et qui rachètera je ne sais pas quelle entreprise, et demain, il sera vraiment une entreprise étatique. Est-ce qu'il a besoin d'intelligence? Pas besoin. C'est une puissance pure et dure. S'il exporte, oui. Là, on passe à autre chose. Moi, je dis que tellement ces entreprises sont puissantes en Tunisie, les grosses entreprises, quelques entreprises, hein, moi, je ne suis pas certain que les gens ont besoin d'intelligence économique. Ils ont d'autres stratégies. C'est ça, la réalité. Il y a la PME qui est en train d'être dans une concurrence déloyale. Aujourd'hui, il y a une concurrence telle, déloyale, que la PME est en train de, au lieu de grandir, elle est en train de rétrécir. Donc, aujourd'hui, si on veut parler intelligence économique, il faut vraiment établir les faits. Qu'est-ce qui se passe dans le pays? Combien il y en a d'entreprises? Comment on peut développer? Parce que l'intelligence économique, ce n'est pas venu n'importe comment, c'est la concurrence internationale. Et c'est la mondialisation qui a fait qu'on était obligé d'avoir de l'information avant l'autre, parce que l'information de plus en plus avec Internet existe. Donc, l'idée aujourd'hui, si bien dit, les États-Unis après la France et les pays européens, qui a l'information le premier, va avoir une réaction le plus rapidement possible pour être efficace. Donc aujourd'hui, il faut une étude bien faite sur ce qui se passe à l'économie tunisienne pour pouvoir faire évoluer cette intelligence économique. Je suis chef d'entreprise, j'ai fait le public pendant une vingtaine d'années, j'étais dans l'administration publique, et ça fait plus de 20 ans que je suis dans le privé. Alors, je peux vous dire, la perception personnelle que j'ai, c'est que d'abord, il y a une question d'ambiance générale et de gouvernance, et je reviens au mot de gouvernance, parce que lorsqu'on était à l'administration, il y avait une très grande rétention de l'information. Il y a une très grande rétention jusqu'à aujourd'hui, d'ailleurs, je m'imagine. Il y a beaucoup d'administrateurs qui, lorsqu'ils tiennent l'information, ils tiennent le pouvoir. Et c'est une culture instaurée, d'abord au niveau interne de l'administration, chose qui n'existe pas. Il va falloir faire toute une révolution sur ce plan-là. Alors, la deuxième, c'est dans le secteur privé. D'abord, la relation avec le public, autant, et ça je l'ai vécu personnellement, autant on est inondé d'informations lorsqu'on est dans le secteur public, lorsqu'on quitte l'administration, et nous sommes complètement dans le désert de l'information. Il n'y a plus, on n'est plus informé. Alors, surtout dans le système dans lequel on vivait, il fallait être à l'Utica, il fallait être à l'UTAP, il fallait être dans une association quelconque pour accéder éventuellement à l'information. Pour les entreprises, c'est quelque chose aussi que j'ai vécu personnellement, l'intelligence économique, il faut une certaine dimension d'entreprise. Il y a toujours de l'intelligence économique, un petit entrepreneur. De ce qu'il faut dire, les 8 centres techniques. Et chaque centre technique avait l'obligation de faire un bulletin qu'il diffusait gratuitement à toutes les entreprises de son secteur. Et c'était une obligation avec un suivi d'État et tout ça. Mais ça ne s'est pas développé comme prévu, comme voulu, parce qu'il n'y a pas eu de critique de la part du receveur. Il n'y a pas eu une demande ciblée, une demande avec une exigence. Il n'y a pas eu de valorisation
Donc il y a eu malheureusement un fléchissement par rapport à cela, et on a perdu l'élan, et on doit le reprendre. Parce qu'au fait, comme vous l'avez bien dit, c'est une dynamique, c'est un partenariat qui doit se développer. Il y a un fournisseur d'informations, c'est vrai, qui doit puiser dans les différentes sources existantes, et il y a un receveur qui doit critiquer, qui doit exiger une qualité de service, qui oblige le fournisseur d'informations à fournir un effort supplémentaire afin d'optimiser la valeur de son travail et d'optimiser aussi les sources sur lesquelles il se base et chercher les meilleures sources et développer ainsi ses bases. Donc, tout cela, c'est interactif entre un fournisseur et un client. Cette relation doit se développer et on doit avoir un client aussi exigeant pour qu'on puisse, nous, se mettre à niveau et en plus évoluer et développer nos moyens. Donc, cette interactivité qui doit se développer dans le pays, et comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai parlé d'infrastructure, j'ai parlé de réglementation, j'ai parlé d'un système qui doit être un réseautage, tout cela ne peut se développer que dans une interactivité de la part des différents intervenants. Je vous remercie. J'y souscris personnellement totalement à cette logique de réflexion, d'autant plus qu'effectivement, cette interactivité fait appel à une notion probablement politique qui est celle de la démocratisation des systèmes d'information. On ne le verra pas. En arrière-plan, nous avons la question comment sont gérés les systèmes d'information en Tunisie. Et à partir de cette gestion, nous pourrions probablement mieux maîtriser et mieux aller à l'encontre des attentes et des besoins des entreprises. Oui, bonjour. Frédéric Hamel, je suis conseiller financier à l'ambassade de France. Je suis particulièrement intéressé par le débat parce qu'il se trouve que je représente un service public, qui est en fait à la frontière entre donc, précisément l'État et les entreprises, puisque tout service public que nous soyons, nous servons les entreprises. Et toutes les entreprises, nous servons à la fois les PME et les PMI françaises, mais également nos grands groupes et ceux qui ont été cités, notamment ceux du CAC 40. Donc, frontière entre privé et public, frontière entre différentes tailles d'intervenants et d'entreprises que nous servons tous également. Ce que je veux dire, c'est que, à mon sens, à l'évidence, il n'y a pas de maîtrise d'un destin, d'une organisation collective, qu'elle soit privée, publique, qu'elle soit de taille importante ou non, si en effet, bien sûr, il n'y a pas d'information. Si cette organisation collective s'appelle un pays, effectivement, ça ne parle pas d'information statistique ou d'information économique, je pense qu'en effet, c'est un sujet dans ce pays. Si cette organisation s'appelle entreprise, ça peut être effectivement des normes de comptabilité, ça peut être effectivement des normes homogènes qui permettent la comparaison avec leurs comparables au niveau international. Ce que j'observe dans mon activité, que je peux appeler finalement l'activité d'intelligence économique finalement au quotidien, puisque c'est un peu ce qu'on essaie de faire, de traiter de l'information, c'est notre matériau. Quelles sont les caractéristiques de ce matériau? Il est d'abord international, puisque j'observe que mon pays dépense de l'argent dans un contexte budgétaire d'ailleurs restreint, pour l'argent public donc, pour maintenir un niveau et un réseau international d'intelligence économique, si on retient cette définition, au service de ces entreprises, pour le déploiement de ces entreprises à l'international, c'est ce qu'on essaie de faire chaque jour, et donc que l'intelligence économique a pour caractéristique d'être d'abord internationale. Et c'est, je pense, une caractéristique importante. La deuxième chose, c'est qu'elle s'apprend, et là je conclurai plutôt sur ce qu'ont dit les universitaires tout à l'heure, si j'ai bien compris. Et si également mon pays dépense de l'argent public pour maintenir ce réseau, c'est qu'il entend maintenir une véritable politique publique d'intelligence économique, développée donc à l'international, et que cette politique doit commencer avec la formation initiale puis continue. Et je pense que, en tout cas, l'entité que je représente, cette ambassade, dans une logique d'ailleurs inter-service, essaye précisément de renforcer les besoins de pays pour développer les capacités de formation et les capacités cognitives des dirigeants, des jeunes dirigeants, des futurs dirigeants, mais de tous aussi, consommateurs, citoyens, pour s'approprier cette information, cette intelligence économique. L'autre caractéristique de l'information économique, de l'information d'intelligence économique, c'est qu'elle est extraordinairement, c'est un matériau extraordinairement subtil et fragile, puisque dès lors que je dis quelque chose, ça va bien sûr influencer ceux qui m'écoutent et les décisions de ceux qui vont m'écouter ou qui m'ont écouté ou qui ne m'auront pas écouté. Donc en effet, elle est à ce stade stratégique et je crois qu'elle mérite que, en tout cas, le pays que je représente y consacre quelques ressources.
excusez-moi, je voudrais revenir juste sur un point sur ce qu'a dit M. Sofiane. Ce que vous faites, en fait, associer votre méthodologie à l'intelligence économique est totalement. Je suis désolé. Parce que ça, c'est votre process, comme a décrit M. Hichem, c'est la collecte, l'analyse et la diffusion. C'est ça l'intelligence économique. Après, comment vous collectez, ça, c'est votre éthique interne, c'est votre méthodologie interne. Je le dis parce qu'on a souffert justement ce que j'ai évoqué tout à l'heure par rapport à l'espionnage et ainsi de suite. Ça, c'est propre à chaque entreprise. Il y en a qui utilisent que la source ouverte de l'open source, il y a une certaine éthique, donc plusieurs cabinets, et majoritairement beaucoup de cabinets, vraiment. Mais dire que fouiller des poubelles et ainsi de suite et aller dans l'entourage et ainsi de suite, c'est de l'intelligence économique, non. L'intelligence économique, c'est la collecte de l'information, le traitement, il y a beaucoup d'analyses, énormément d'analyses. Et d'ailleurs, les Français sont les premiers à ça, ils sont très très bons dans l'analyse en tant que soi. Et la diffusion. Mais dire, aller chercher de l'information d'une certaine manière, c'est de la méthodologie propre à un cabinet. Il ne faudrait pas associer ça à tout un secteur qui en souffre depuis une vingtaine d'années déjà. Tout le monde le fait et les services, non, les services publics viennent chez nous nous demander des renseignements. Ça, c'est... Oui, peut-être. Mais voilà. La méthode de chercher des renseignements est propre à votre cabinet. Non, elle... pas dire que... les meilleurs le pratiquent. Peut-être. C'est pas la peine de se voiler la face. Si je peux faire un arbitre à ce niveau-là, effectivement, c'est une méthodologie qui probablement est intrinsèque à votre cabinet. Mais il faut savoir une chose, c'est que plus de 90%, 95% des informations que l'on utilise dans le process d'intelligence économique sont publiques. On les retrouve sur Internet. Et on n'a probablement pas besoin, pour ceux qui souhaiteraient collecter, recueillir des informations dans le cadre du développement de leur entreprise, d'aller chercher des informations en appellerait crise ou mort. Je voudrais revenir sur un point que vous avez abordé tout à l'heure. Vous parliez de système d'information. Pour moi, ma vision, c'est qu'aujourd'hui, en tant qu'acteur sur la place, l'accès à l'information est compliqué. On va parler d'informations sur Internet. Dans un secteur d'activité qui est le mien, qui est par exemple l'informatique aujourd'hui, on a un souci, c'est que nous n'avons pas accès à une information structurée. On a une information brute, mais nous sommes dans l'incapacité de faire des prévisions sur le moyen terme ou le long terme, et donc dans l'impossibilité de planifier des recrutements, des investissements et un certain nombre de choses, parce que nous n'avons pas suffisamment de visibilité sur l'existant. Je donne un exemple concret. Si vous demandez l'investissement dans le domaine de l'IT en Tunisie, vous aurez une information approximative, mais brute, qui donne l'investissement global. Mais si vous avez une spécialité, vous aurez énormément de mal à avoir cette information-là. Donc je reviens sur l'histoire des pouvoirs publics. Le problème, c'est que si on attend qu'il y ait une demande pour fournir l'information, on risque de tourner en rond longtemps. Il y a des données basiques qui peuvent exister. On sait que dans l'informatique, à un certain niveau, en Tunisie, on ne produit pas grand-chose en termes de fabrication. Donc, le gros, c'est l'importation. On n'est pas capable de distinguer aujourd'hui l'investissement ou les importations qui vont être faites entre un PC, un serveur, un système de stockage, et ainsi de suite. Donc derrière, ça pose de vrais problèmes. Moi, je fais partie d'un groupe international. Je veux dire, je passe souvent pour un imbécile quand on me demande quelles sont les prévisions sur le territoire tunisien, qu'est-ce qu'il y a comme investissement à faire, qu'est-ce que vous projetez. C'est toujours à la louche en levant le doigt pour espérer avoir une idée. C'est limite, j'ai pas besoin d'une boule de cristal pour donner une réponse. Alors que d'autres pays, je prends le Maroc par exemple, a une information claire, structurée, détaillée, qui permet de dire il faut investir dans tel secteur, voilà le potentiel, voilà les investisseurs qui sont là déjà, voilà la concurrence, voilà le marché. Aujourd'hui, nous ne l'avons pas. Donc déjà, l'information de base, je pense qu'elle existe quelque part, de manière vraiment brute. Après, il faut la structurer. Pour revenir à l'histoire de système d'information, on parle beaucoup de système d'information depuis des années, mais en fin de compte, ceux qui en ont très peu savent l'utiliser, et le reste n'en ont pas.
on est tous au niveau d'avoir un tableau, enfin un système Office Excel, mais on l'utilise pour faire une somme, donc, alors que toutes les fonctionnalités derrière, on ne les utilise pas. Donc c'est bien d'avoir un système d'information, mais il faut savoir l'utiliser.